Zami internaut, malgré toutes sortes de cap dit là, malgré tout doute qui gagne, en ce qui a fait avec secteur qui t'a dû à le représenter en deux conseils électoraux provisoires, un Gary Kony. Monsieur te gita annoncé ça, Edgar Leblanc. Yo te gita annoncé ça, yo pas nan petit semblak papa, ouais pas ouais, enterrement pour 4 heures, conseil électoral la campé. Dans le conseil des ministres qui t'a gagné, mercredi 18 septembre 2024 là, le conseil présidentiel, ensemble avec gouvernement, et ben, yo décidé, yo campé conseil présidentiel, yo campé conseil électoral provisoire, mesdames, messieurs, et un conseil électoral provisoire qui t'a gagné 9 membres là-dedans, yo jeune 7 membres, yo dit adelante, à la guerre comme à la guerre, si moun pas rentré dans le gendarme, ouais pas ouais, enterrement pour 4 heures, conseil la campé, rete connecté ensemble avec nous là, mesdames, messieurs, entre deux émissions ça, nous allons porter plus de détails, nous allons dire exactement comment ça est, et nous allons connaître exactement qui secteur qui représente, qui non moun yo. Au lieu de 9 secteurs, c'est 7 secteurs qui représentent dans le conseil électoral provisoire. Rete là, oui. Ou pral koné, oui. Ministre économie et finance, n'a parlé de Kevin Florestal. Il présente un tableau sombre dans ce qui vient à voir ensemble avec la situation économique pays. Et pas oublier, 1er octobre, kap vin la, budget rectificatif ou bien budget annuel pays, lui-même, l'État doit sortir. Et mesdames, messieurs, et bien, il fait qu'on est si rien n'est pas fait, l'économie pays a continué de descendre à la gaba. Et il mandé pour l'État prendre toutes dispositions nécessaires pour capable vivre, jouer une bout et situation ça, pour économie pays à lui-même, li capable ramasser escope figure, directeur exécutif bureau avocat international, on a parlé de maître Mario Joseph, li mandé l'État haïtien pour prendre bon genre disposition pour capable accompagner, moun qui n'a abri provisoire, nous songer, moun sa ou qui quitte la caillou depuis le bandit te fin quoi payo, fait yo quitte la caillou depuis le ça, c'est mauvais moment, mauvais la vie, yap connaît depuis quelques temps l'espace yoya. Donc, Mario Joseph, li mandé pour l'État haïtien, voyager, garder moun sa ou parce que moun sa ou y'a vive des situations extrêmement difficile. Divers parents critiquaient sévèrement l'autorité dans l'État. Ils ont dit qu'ils n'ont pas pris aucune disposition sérieuse pour capable accompagner les gens qui sont victimes dans l'explosion. Nous sommes qui sont passés côté camion gaz qui était explosé dans la commune Miragouane. Mes parents ont même critiqué l'État ici et ont demandé l'État prendre toute disposition pour capable accompagner moun sa yo, donc yo fè konnen swen yo pa rive jwenn moun yo vraiment, et nan ka sa ça mettait la vie moun ki victime yo an di moun ki poko mouri yo, donc ki l'hôpital ka pran swen yo, ça mettait la vie moun sa yo en danger, donc plusieurs nan yo kapab rive perdu la vie yo faute de soins. Commissaire Examen, nous konnen Adrien Examen ki monsieur a suivi les traces de Jean-Ernest Muscadin, l'a posé les mêmes actions de Jean-Ernest Muscadin, mais il présentait plusieurs individus, il mettait la patte sur eux dans le cadre d'opération lui-même, il a mené ensemble avec la police dans la commune et dans l'émission. Ça, encore une fois, nous avons la possibilité pour tendre et pour voir exactement comment la situation est. Claude Edouard, nous connaît qui c'est. Heureux élu Claude Joseph là, c'est monsieur Claude Joseph choisi pour remplacer Smith Augustin dans tête et conseil présidentiel là, parce que nous connaît depuis les dossiers BRH là tombé, depuis le ça, il y a une grosse discussion qu'a fait pour connaître exactement est-ce qu'il a remplacé Smith Augustin, et puis Smith Augustin bon bois des bonnes amis qui capé là équipe aidé à une équipe moun qui dit même Smith Augustin pas fait un pas qui taille un panago, et Claude Joseph lui-même monsieur jouer par tous les saints, faut qu'il remplace Smith Augustin. Donc Claude Edouard, c'est monsieur Claude Joseph choisi pour tal représenter ou bien remplacer Smith Augustin. Mais qui te nous dit ou Claude Edouard, monsieur pas exempt de tout reproche, non, parce que selon information nous là, monsieur gon mandat derrière lui, et monsieur confirmé vraiment que oui, il gon mandat derrière, même monsieur dit mandat li gen derrière là, son bail familial k'ap régler, c'est maman petite li qui mette mandat derrière. Donc mes amis, moun pas besoin fouer bouche dans causer, parce que ça c'est causé familial, donc quitter régler bagay là en famille. Frère qui c'est force révolutionnaire d'entente nationale, parti Guy Philippe là, petit parti Guy Philippe là, mais on dit au même yo di formule pour freiner ça qui gen là. Yo dit situation qui gen là dans pays là, yo prêt pour yo freiner, parce que le a regardé modèle l'état ça, le a regardé action l'état ça a posé, yo pas wè qui ça qu'a fait. On dit la vie chère continue à tailler, banda insécurité à lui même continue à grandir pour dans pays là, et dans ce sens ça yo dit yo pas wè qui ça l'état fait. Donc dans ce sens ça, mesdames, messieurs, yo même yo dit yo prêt à mettre pied à terre, yo prêt à poser des actions, et là yo prêt à poser des actions, tout le monde prêt à exactement qui ça qui freine, qui ça qui Guy Philippe là, tout le monde prêt à exactement pouvoir yo gagner
pour yo capable de faire bagay yo d'une autre manière en dans pays ya. Guy Philippe qui a fait causer papa. Restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs pour ça nous pral développer pour la en démission. Donc n'a salue toutes amis, toutes fanatiques qui gétant là, qui gétant présent ensemble avec nous, qui gétant chita la petit chaise qui pral ramasser zin, qui pral prendre température actualité qui pral connait exactement qui ça cap passer comment situation les mêmes liées. Mais ces amis frères Esdras Fizeme qui entre la caillou, nous pral parler, nous pral discuter, nous pral porter actualité à bas. Nous vous merci parce que vous êtes en like, merci parce que vous êtes en commenté et merci parce que vous pral partager, ou partager déjà, vous pral repartager encore parce que j'en connais exercice là, c'est un ensemble de partage pour faire et c'est ça qui permet à ce que mesdames messieurs vidéo aller même li aller plus loin. Bon, nous dit désormais nous gain conseil électoral provisoire. Bon, va emmerder moun. Pas rien, pas de possibilité pour élection faite dans le pays. Bon, gouvernement Gary Koni ensemble avec Edgar Leblanc, il dit bon, il pose première pierre là, il a monté conseil électoral. Parce que, dès que le conseil électoral provisoire, donc ça veut dire là, conseil de boucher double qui va le mettre, rapide, rapide, donc élection va le faire. Il y a même une question de poser, il a dit, comment élection va le réaliser en dans le pays là, dans le contexte là, dans la conjoncture ça là, comment on va le faire bandit? Est-ce que vous allez marrer un côté, non, pied table? Est-ce que vous allez passer maintenant tête à yon, vous dit monsieur, font-il poser ton bandit, monsieur bandit, frère bandit, partenaire bandit, font-il poser parce que nous allons organiser l'élection? Est-ce que c'est comme ça la fête? Parce que, l'on a parlé de organisation des élections dans un pays, mesdames, messieurs, nous tout, nous connaissons toute disposition qui doit prendre, nous connaissons tout ça qui doit mettre en marche pour capable de monter un appareil électoral pour capable monter une structure pour arriver à organiser l'élection d'un pays. Même si son bourri vide a fait, mais pour bourri vide a fait, une forme, une moyen pour procéder, une façon pour arranger pour bourri vide a fait. Et l'on a gardé dans le pays, la même bourri vide a fait, n'est-ce pas prêt pour faire, non? Vous imaginez? Actuellement là, pour monter conseil électoral provisoire, ou a besoin de ça ou les becs, ou a besoin de ça ou les beds, hein? Qui c'est bureau électoral départemental, bureau électoral communal, ou pas besoin de mettre tout ça, yo. Faut que moun kap travay là-dedans, yo. Comme si là, nous allons mettre un bed dans troisième circonscription, qui bon la pied, dans base ISO, dans base Tilapli, dans base Kisla, qui bon la pied. C'est pour nous montrer, mesdames, messieurs, oui, nous disons, nous montons au conseil électoral provisoire, pas de problème, mais qu'on y a là, est-ce que structurellement, nous sommes prêts vraiment pour nous montrer au conseil comme ça? Là, nous connaissons toute exigence qui m'en est, et sur le plan sécuritaire, mon Dieu, hein, c'est la plus gros problème, non? Parce que, sur le plan sécuritaire, moi-même, avant, n'a pas gardé nous, et pas gagné, qu'a fait. Et d'ailleurs, soldat Kenya, même, c'est Mathieu Vu, y'a fait, monsieur, c'est fou, là, y'a fait. Marcher dans la radio, là, caillou, relais toute radio, là, caillou, diable, bien passé, là, y'a crasé une série de groupes gang, et tout groupe gang, y'a toujours été debout dans le pays, là. Nous toujours pas qu'à circuler libre, nous toujours pas qu'à traverser dans aucun endroit dans le pays, là. Mais on t'a dit, monsieur, y'a dit, y'a mené opération dans Carrefour, y'a mené opération dans Delma, y'a mené opération dans Croix des Bouquets, dans Gantier, y'a mené opération dans Solino, dans Belé, et y'a dit, toute zone, ça, au côté, à parler là, activité reprenne correctement. Pendant ce temps, nous toujours été cloîtrés la caille nous. Pendant ce temps, tout le monde toujours été cloîtrés la caille. Mais soldat Kenyan yo, yo dit la caille, tout bagay ok, tout bagay sous contrôle. Donc, comment élection pour le réaliser là dans le contexte là? Est-ce que vous pouvez le faire dans l'autre forme? Parce que, quitte à nous dire, il y a l'autre façon capable de faire, il y a l'autre arrangement qui est capable de faire pour y réaliser l'élection. Si on va faire dans tout département, faire de façon comme si mettez bureau dans toute petite région, est-ce que vous pas faire façon, par exemple, chaque département, chaque commune, vous mettez un grand centre en côté qui a accès à tout le monde, et puis pour faciliter, pour avoir possibilité à ce que, mesdames, messieurs, pour le monde vienne voter dans l'espace, hein? Peut-être si on fait comme ça là mieux parce que si dans ça qui est là mesdames messieurs pour entrer dans Belle, entrer dans Solino, entrer quoi des bouquets, entrer dans Gravine, entrer dans Tibois, entrer dans village de Dieu pour aller installer des bureaux de vote, on garantit nous même monde qui est dans village de Dieu, il y a peur pour aller voter, pas besoin du bouquin candidat parce qu'il a fait campagne, il a fait campagne devant porte la caillou, ça c'est me songer, j'ai 6 fois, nous j'étais dit lui même Jean-Louis bagaille là là, au moins c'est devant porte la caillou il a fait et pas j'ai 6 fois non, il dit devant porte la caillou il a fait la faire campagne parce que Jean Labgat bagala là li pa li même qui va prendre la rue parce que situation li même li tête chargée qui te nous dit ou moun ou bien secteur qui déjà représenté dans conseil électoral provisoire mais qui est surié au lieu de 9 membres nous dit c'est 7 membres s'il vous plaît, OK, gen deux secteurs qui étaient dehors, c'est secteur droit moun nan ensemble avec secteur femme nan, mais secteur droit moun nan pas choisi moun côté GD, côté GD on Jean élection faite nèg la passé avec toute voix honnête.
Monsieur rafle l'élection, c'est monsieur qui a pas représenté le monde dans le pays, en dans conseil électoral provisoire. Mais quand vous entendez, le conseil a monté, Gary Koni ensemble avec Edgar Leblanc a monté, conseil électoral provisoire, secteur de monde dans le pays. Mais qui s'est passé? Plusieurs organisations dans le secteur de monde ont estimé le choix de Gédéon Jean, li fait en bas de table, li fait en petit coulou, li fait en petit ami. C'est pas bizarre, ou tata ou qui t'a réglé, pas de gagner destitution ou t'a réglé. Donc, dans tout le monde, mesdames, messieurs, et yo dit, quel que soit le monde qui représente le secteur, yo pas reconnaître li. Donc, dans ce sens, nous disons, c'est 7 secteurs qui représentent, il y a 2 qui dorment dehors. Bon, je rapide secteur, bon, je cite pour, parce qu'on est nous-mêmes, nous avons tout le monde, vous comprenez, nous avons tout le monde. Il y a Jacques Seyus Joseph, il représente le secteur paysan. Jacques Seyus Joseph. Il y a également Schneider Adli Mambo Gael, qui est le secteur vaudou. Elle dit, ouais, Newton Saint-Just. Yo balé monsieur Vaux et monsieur dans coin. Newton Saint-Just monsieur pas représenter secteur vaudou avre dans conseil électoral provisoire. T'as comme de demi si ça adventiste lié. Oh non, n'a déplé à mon ami aussi. Même de pourquoi m'attendre demi si adventiste lié? Bon comment le fait adventiste lié vaudou en même temps? Bah je peux comprendre bagaille ça. Oui, yo dit Newton Saint-Just c'est adventiste. Même si qu'il y a l'autre secteur qui dit non, c'était dans protestant, nous des bagaille mais Newton Saint-Just mesdames messieurs, yo dit monsieur pas un bon et vaudouisant, donc c'est ça que fait, yo mette monsieur de côté, donc c'est pas monsieur qui représente secteur vaudou. Ah, n'a pas avancé, oui. Ça fait deux mba ou pas vrai? Mbon secteur paysan, mbon secteur vaudou. N'a pas avancé. Genye Nemwod Sanon, monsieur lui-même, lui représente secteur syndical. Ok? N'a pas avancé toujours. Florence Mathieu, lui-même, lui représente secteur universitaire. Donc, université, yo, voye au monde. Donc, moun salue le Florence Mathieu. Et puis, Patrick Saint-Hilaire, lui représente catholique. Hein, catholique représente un grand pompe. C'est un secteur tout m'battant dans Ken Plain pour lui. Il a juste choisi un moun yo même. Et puis, moun nan c'est lui même yo choisi. Après ça, secteur protestant dans tire-pied, secteur vaudou, secteur douaboun, secteur kouedek. Yo tout est dans tire-pied parce que yo estime moun yo choisi yo. C'est pas moun sa vraiment capable de délivrer marchandises que yo besoin. Ok? Et puis, Jacques Deozé lui même lui représente la presse. Bon, la presse n'a pas de trop. Problème, nous avons entendu un gens là, yo mettez Jacques Deozé, donc Jacques Deozé, c'est lui-même qui représente secteur presse là. Et puis, dernier monde, parce que pas bien nous, c'est 7 liés, dernier monde, s'il vous plaît, c'est Peterson Pierre-Louis, qui c'est lui-même qui représente secteur protestant. Pas oublié, non? Goué qui protestant, qui prend la rite, dit lui-même, fois ça, ça va passer, non? Yo te dit, même, au nom de Jésus, yo pas reconnaître moun yo baye pour pasteur Peterson, non? C'est pas monsieur qui va le représenter, non? Mais selon toute information, bien selon dernière information, yo, pasteur Peterson Pierre lui, c'est lui-même qui représentait secteur protestant. Donc c'est 7 secteurs ça yo qui représentait dans conseil électoral provisoire. Était 2 secteurs de yo, secteur femme yo te choisi moun déjà, mais on paquet organisation femme yo levé kako yo la yo dit même yo pas reconnaître dame ça que yo choisi ya. Donc que yo prend toute disposition nécessaire pour choisir l'autre monde. Si c'est pas ça, mais n'a pas couleur, nous ressemble d'avoir le dire. Parce que pas accepté pour n'importe monde à venir nous représenter secteur femme nan. Donc, coup ça pas passé. Conseil électoral provisoire monté. Qu'on a qui ça n'a pas tant de sécurité. Depuis que sécurité, élection tête droite, tout entièrement pour 4 heures. Qu'on a là, monsieur Blanc lui-même, beaucoup de parle, lui continue à filer manchette, lui continue à filer zamni pour lui aller zèle 4 par là pour lui aller green candidat là. Et blanc, il faut que l'élection fait quand même. Parce que le pape qui a arrêté comme ça, il impose au monde, il impose au Gary Koni. Et j'ai peuple a commencé à caler. Donc, il faut que l'élection fait de manière maquillée, j'en connais là, pour qu'il y ait des possibilités, pour qu'il pousse au monde dans le colette, pour qu'il pousse au monde dans le cotof l'estomac. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, bagaille, mesdames, messieurs. Le conseil électoral provisoire, il est bel et bien monté, mais il y a 2 secteurs qui dehors. Pas oublier de manière coutumière et de manière, comme d'a dit ça, selon la Constitution, c'est 9 moun qui doit représenter dans le Conseil ça, mais actuellement là, c'est 7 moun qui la donne, parce que y a 2 secteurs qui doivent m'en rappeler, secteur de moun et secteur femme nan, moun sa yo, yo pas accepté moun yo te voue yo, donc yo mande fok gon rebrassage qui fait. Et Edgar Leblanc te clair sous ça lui-même, même s'il te jeune 3 green moun li tap publié arrêté. Et depuis arrêté publié, ou tout de yon def. OK, m'pa konnen si y a ba un deadline, si y a ba un petit occasion, petit possibilité pour que yo rapide rabache jwenn moun la pour yo voye, m'pa konnen,
Mais c'est possible, mesdames, messieurs, pour que le conseil électoral provisoire l'y monte sans deux secteurs. Ça, parce que yo pas qu'à entendre pour être capable de arriver à joindre un représentant ou bien des gens qui peuvent représenter yo valablement. Bon, Madame Chapeau a parlé. Madame Chapeau a parlé, qui est ministre économie et finance là. Madame ça c'est dans l'hôtel seulement le rete. Bon, et ces derniers temps, Madame ça il peut aller dans le bureau et pas oublier. Ici en Haïti, nous avons tendance nous très mystique, hein. Et Galo planté je nos andolites sous chaise l'île, te font pas qu'être temps dans la caille, il pas aller parce que c'est à paix. Les 11 andolites, par contre ça andolites la portée, est-ce que c'est bonne nouvelle ou bien mauvaise nouvelle? Et mais madame Chapeau lui-même tout, il pas jamais aller dans bureau, hein. C'est nos hôtels lui mettait bureau, et bien madame n'en parler, il peine en réalité sombre, en situation on dit en situation qui très sombre de réalité économique pays d'Haïti. Li fait qu'on est pour ça la gade ka fait là dans l'économie, son bagay qui grave, et si pas gen anye qui fait, pita kapitrice. Donc li mande l'État rectifier le tir. Li mande l'État prendre toute disposition nécessaire pour capable permettre à ce que yo rectifier et on dit aspect économique. Nous invitons à attendre, mesdames, messieurs, Kathleen Florestan. Donc le gouverneur a dit, malheureusement, on te comprendre que comme on a commencé à 10h, on a bien passé un bon titre à Venn. Bien pour me déplacer pour mal dans le conseil des ministres qui est censé commencer à 11h. Donc, je me déplace probablement à 11h pile. Donc, le gouverneur a entendu avec moi que j'ai quitté me parler en premier. Et moi, je voulais compléter la présentation là pour nous cap appuyer, montrer comment l'important que la coordination entre politique fiscale avec politique monétaire. Là. Nous-mêmes, et nous avons fait état de. Ça nous fait, et depuis une vie dans le poste là, ça veut dire depuis en juin, nous coordonner bien avec la Banque centrale pour nous assurer que décision et l'État, décision ministère de l'économie et des finances, pas contrarier aboutissement politique monétaire là. Particulièrement, nous faisons tout ça en cap pour nous dépenser seulement ça nous gagne. Et dans le premier, nous dépouiller dépenses que nous avons considérées pas indispensable si nous pas de cob pour yo. Et pour année ça, comme tout le monde connaît, nous déjà commencé exercice pour faire notre budget. Et avec même esprit, seul bagaille, et malgré que nous avons tendance à la baisse dans recettes fiscales, en partie dû parce que au niveau des importations, il y a un ralentissement, mais nous optimistes parce que nous mettons un pile bagaille en œuvre que nous allons commencer. Nous commençons à concevoir un pile bagaille pour nous capables de mettre l'institution fiscale là, mieux, plus en mesure pour nous percevoir plus de plus ressources. À part l'institution fiscale et gain appui externe, nous devons ça que tu as un appui que tu promets pour l'année dernière, l'avenir n'a rien pas décaissé. Donc, nous avons travaillé et nous-mêmes avons des questions peut-être qu'à fait en fin d'année ou bien début octobre et de une organisation internationale là, comme appui budgétaire. Grand pile organisation internationale qui va nous appuyer, mais à travers le projet. Et appui budgétaire là, puis important sont certains et pour budget parce que lui permet nous faire face, elle pas lié à un bail particulier et son appui budgétaire général, lui aider à faire face à obligation nous. Et l'aller non masque pour nous faire face à l'obligation. Ce n'est pas que le budget d'investissement n'est pas important, non? L'international a aidé à faire en partie dans le budget d'investissement, nous, ou bien tout simplement financer le secteur. Et je tout profiter de dire, parce que je suis en train de commenter le budget rectificatif, c'est pour nous garder le budget en l'autre genre. Ce n'est pas parce que nous avons que dans le budget, un secteur a moins d'espace en l'autre que ce n'est pas priorité nous accorder. Il y a deux secteurs qui sont très importants, mais que l'international met un pile de cobs sous lui. Donc, c'est pour nous garder tout, combien de cobs secteurs a gagné. Et c'est nous qui discutons avec l'international pour nous dire, mais qui ça nous a remis. Voilà, mesdames, messieurs, vous attendez madame Kathleen Florestan, qui est ministre économie et finance en Haïti. Donc, c'est lui-même qui a décidé ou bien qui a discuté sous. Dossier l'argent pays d'Haïti. Donc, mesdames, messieurs, il a présenté un tableau de niveau économique pays d'Haïti. Il dit qu'il est très bas, qui est tombé en la grabat. J'aime le mot de Kadibaï là.
et c'est pisse crabe hein, un petit pisse crabe seulement nous gagnons. Donc budget nous très maigre, budget nous très maigre. Donc dans ce sens ça, li pa ka faire grand chose avec les divers parents, ils ont critiqué sévèrement autorité dans l'état, ils ont dit qui pas prend aucune disposition sérieuse pour capable accompagner victime dans explosion camion gaz qui était passé samedi qui s'est passé là dans commune Miragouane. Et ben parents ça yo fait quoi soin yo pas venir attendre ça qui capable la cause en pile dans victime yo perdu la vie yo parce que là moun yo pas prend soin à temps et certainement yo capable river perdu la vie. Donc dans ça yo mandé l'état tant pis s'il vous plaît pour plus vigilant pour capable river permettre à ce que victime yo même yo jeune soin ka yo nécessité. Dans le cas contraire, nous capables perdu en pile dans mon sayo, nous invitons à attendre intervention. Parents 5 dans victimes explosion citerne gaz Miragouane qui était transféré dans l'hôpital Immaculé Conception Okaï, critiqué personnel HICO, yo dit qui pas bay victime yo assez soins pour soulager souffrance yo. Quelques parents a expliqué. Vraiment premier jour je ne sais pas si je suis souffré. Mais depuis hier, les gens là, nous avons même bandage de souffrance. Nous avons Parmi 5 nan victime yo qui étaient dans l'hôpital là, gen yon la dan yo qui mouri. Administrateur l'hôpital Immaculé Conception Okaï, Henri Girard dit Jean-Luc reconnaît l'hôpital là pas gen assez structure pour recevoir kamoun ki boule yo. Cependant, il fait konnen yo fait tout ça yo capable pour recevoir victime yo. Et nous faisons tout ça, nous sommes capables, nous mettons tout ça nous de gagner qui était à disposition pour prise en charge des faits. Et directeur et chef de service chirurgie, et soupir tout pendant là, c'est le professeur Royo, c'est lui qui fait tout le bagage, les diagnostiqués, fait tout l'ensemble de bagages, mais c'était des cas qui vraiment. Est-ce que ça veut dire qu'il a dépassé l'hôpital? Pas technicien dans la matière. Je ne peux pas avancer de trop grande déclaration là-dessus, mais samedi, je ne peux pas avoir une structure suffisamment qui te carrosse correctement bien. D'après un rapport partiel, Centre Opération d'Urgence Nationale publié, il y a 27 personnes qui mourent, 42 autres blessés, parmi eux, il y a 20 blessés 3e degré et 15 autres 2e degré. Explosion a détruit 16 motocyclettes. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okaï. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez entendu la situation de monde qui est victime d'une explosion qui est passée dans la commune Miragouane samedi passé, samedi 14, c'est ça? Samedi 14, là, côté divers temps, moun sa ou même qui, environ 27 moun qui mouri. Donc, gen plusieurs les autres, qui ou même te allé l'hôpital, donc qui te blessé gravement grave. Mais gen tout qui getan mouri parmi moun qui te blessé ou tellement, pas gen soin vraiment qui disponible pour moun sa yo. Soin yo te prend temps pour arrive joun moun sa yo. Donc, c'est ça qui la cause, mesdames, messieurs. En pile dans moun sa ou même, yo arrive mouri. Commissaire Adrien Exama, monsieur qui nous connaît, qui convertit les mêmes gens ensemble avec Jean-Ernest Muscadet, même avec le commissaire Elliot. Nous avons dit, même a fait question pour les bandits, ou qu'on est au bras le taille, bandits, coupé, raché dans le secteur, ou on dit, bah, et le commissaire a présenté deux individus, ils veulent mettre la patte sous eux, côté Nexa, eux-mêmes, ils ont plaisir, ils pensent qu'ils ont cassé la trouble dans le département. Donc, nous invitons à attendre le commissaire Exama. Présenté Angelo Chéri. Puis Jonathan Lofar
Mais tout le monde connaît monsieur son nom, Jeff Lofar, qui c'est deux parmi qui c'est deux parmi groupe nèg qui choisit monter une organisation criminelle côté que il a bloqué Mons Orangé, il a bloqué Kafou Bédumel là c'est côté c'est Solon pour passer dans Kafou ça pour rentrer en dans Bédumel pour aller sous port qui fait en dedans. Ils ont bloqué en l'autre zone dans Saint-Louis du Sud encore qui est en bas fort. Ces trois zones ça ont choisi malgré tout effort moi-même avec la police nous déployer malgré mon orange nous te mettre le clean nous te permettre un accès libre un passage libre et sous mon nom ils ont choisi avec organisation criminelle ça y a peine monté a choisi retourner attaquer Mons Orangé encore et yo ajouté zone ça yo dans zone civile. Donc nous même dans paquet haken qui pas dormi et qui décidé faut gagner la paix dans zone là qui décidé faut circulation fait libre et libre dans zone qui décidé insécurité a faut nous combattre li faut nous réduire à sa plus simple expression. Donc nous campé hier soir dans une majeure opération, nous menons avec Udmo, avec policiers dans le commissariat Cavaillon, que je salue courage, je salue détermination, je suis même longueur d'onde avec nous et je motive même gens avec nous pour que nous combattions ça. Donc c'est dans le cadre d'opération ça, nous arrêtons ensemble de monde. Mais de M. Sayo, c'est des éléments clés pour nous parce que nous faisons partie de ce groupe criminel qui a veillé monde bloqué route là 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin pour tout ça moun yo posséder bat moun yo dans machine, bat chauffeur machine, bat passager yo, volo valise yo et volo tout ça ou gagne l'argent, téléphone, l'autre bagage important encore yo wè qui ka rapporter l'argent. Donc nous mettez la patte sous de nèg ça en attendant parce que nous gagne liste tout moun qui dans groupe là. N'a marché pour on a pris une opération et pareil à ça hier soir et n'a pris on dans l'autre opération encore et n'a pris yo par tous les moyens. Donc nous fait grand public la fait connaissance avec yo et chaque fois yo t'a rencontré yo yo t'a voyé yo y a connait moun sa c'est des moun que la justice a poursuivi mais nous va déférer yo devant le cabinet d'instruction pour que la justice continue faire coursely face à groupe gang criminel ça. Bon et à mon cher commissaire examen vous faites moi mon cher vous faites moi alors pour que toute information ça de on nèg de nèg ça yo hein il y a marché freeze moun bat moun touyer moun prend tout ça moun n'en posséder et puis pour nèg ça ou toujours en vie à mon cher ou pas dit muscadé non ou pas dit muscadé mon cher hein alors muscadé croisé de tigrin ça là n'pense et bail la pression t'a présenté là. On ne sait pas qui t'a fait au nom du Père ou bien signe de la croix pour dire ok merci parce que mes deux nouveaux viennent nous voir Bali. Ah mon cher, commissaire examen, mes garçons sous vous, parce que bataille qu'a mené là, nous pas qu'à bailler nèg ça aux chances nous, nous pas qu'à bailler aux chances. Qui t'a nous dit où gagner directeur exécutif bureau avocat international, on a parlé de maître Mario Joseph, lui mandé l'état ici pour prendre bon genre mesure pour arriver accompagner moun ki nan abrio. Donc nous connaît depuis quelque temps bandi exam te kwape yo an dan kayo kay ke yo redi faire redi acheter redi construit bandi exam a tout fait 100 fois ni loi mette moun sa ou dehors mais moun sa ou depuis quelque temps y a vive dans la grande peur et yo nan difficulté extrême côté yo ya. Donc maintenant Mario Joseph qui c'est yon défenseur de droits humains li mande l'état haïtien voyager le garder moun sa yo voler au secours de moun sa yo parce que moun sa yo yo pas capable encore. Donc il mande l'état pour accompagner moun sa yo pour moun sa yo même yo capable en mesure pour yo faire face avec situation difficile y a connait quelque temps. Nous invitons tande maître Mario Joseph. Objectif conférence là c'est pour BAI exiger l'état pour l'état garantir tout bon vrai tout bon gens logement ak sécurité ou déplacer interne. Ça veut dire que ces moun et pour raison
et la guerre, bonne armée, catastrophe naturelle, obligé quitter la caillou pour aller vivre un côté qui est plus en sécurité. Yo elle est déplacé interne. Ça veut dire mon qui déplacé dans propre pays. Pour nous demander l'État pour mettre en application d'abord principes généraux relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Mon sa yo nous wè ki nan nou relé au camp et dans lycée Marie-Jeanne et des fois sur route là dans DDO à 22 a dit même bagaille. L'État doit garantir à tout le monde, à tout citoyen, un logement décent. Pour mettre moun yo dehors et pour yo faire l'école. Nous venons là pour nous dire yo gen ti moun qui va à l'école, nous comme ça. Et ti moun qui a l'école yo, yo gen droit pour aller à l'école. Mais moun qui nan kan yo, yo gen droit pour bon côté pour rete et c'est job l'État. Ça veut dire l'État nan mi-temps nan kafou et li fait ici la viole droit moun, li fait l'autre bord la viole droit. Et mon bon principe directeur que Nations Unies mette sous pied qui dit lorsque il y a une catastrophe naturelle, qui comportement pour l'État gagne, pour pas quitter dans le camp, mesdames yo gagne, yo à l'abri de tout bagaille. Moun yo dans le camp y a vivre de manière infrahumaine. Mais nous remarquons que l'État gagne une pratique que yo toujours fait. Chaque fois yo a un événement ou bien pour l'école, il besoin de moun dans l'école là. L'État pas jamais fait statistique. L'État pas jamais dit mais qui moun qui dedans qui devine dans camp côté au sorti côté au pas sorti et ben moun sa yo n'a prend yo en charge en attendant nos jeunes côté pour nous mettre. Si ben pas jamais fait ça. Parce que solution 20 000 goudes là, pour qui moun qui 10 000 goudes. Bon 10 20 000 goudes. Yo pièce pas ka louer caille. C'est question ça. Ou la dedans. Faut bay moun yo plus moyen et konnen valeur kay loué kouye a pou bay moun yo kòp et permettre yo joine côté c'est pas en septembre nan de fête de le fait que depuis en juillet depuis l'école la fermé. Voilà mesdames messieurs, ou t'ap tande maître Mario Joseph qui t'ap interpellé l'État, l'État mandé l'État prend responsabilité face à situation difficile qui gen la côté que l'école la pral louvri alors que gon série de moun qui rete fermé en dedans on bande camp ou bien abri moun sa ou pas ka sorti moun sa ou pa gen accès pour yo sorti d'ailleurs là ou sorti ki côté ou pralé bandi prend caillou moun sa ou pa posséder rien encore moun sa ou gen courir avec rad sou poko ou pa gen rien encore c'est peut-être on vieux machin pépé yo jeune ki ba on dé pa koti mette sou yo pour yo gérer tête yo en façon comprendre moi parce que grand pile nan moun sa ou mesdames messieurs bon ki courir même sans pantalette sans boxeur hein. Parce que les coups de boujan, moun yo t'ap expliqué, Jean coup de balle te maré, yo pa go ken moyen pou te sauver rien. Donc moun sa yo ki nan situation difficile et maître Mario Joseph li mande l'État volé au secours de moun sa yo parce que la vie moun sa yo pas bon du tout. Bon, Claude Joseph li même et monsieur gen tant comme dit il déjà monsieur on dirait son moun qui gen soleil là qui lui met hein nan derrière li parce que affaire Claude Joseph pas bon du tout dans jour là. Monsieur choisi un moun qui c'est Claude Edouard pour aller remplacer Smith Augustin dans le conseil présidentiel là. Eh ben Claude Edouard monsieur gen petit dossier pas tout oui monsieur gen dossier pas monsieur gen les patrons clean hein monsieur gen les patrons net non c'est dire si n'a fouillé j'ai gardé là si n'a gardé n'a joué un dossier monsieur collé dans tiroir n'a joué dans pile causé pour nous dire de monsieur eh ben et en suivre nous entendez intervention et Claude Edouard qui lui-même t'a parler par rapport avec situation côté que grand pile monde qui a critiqué lui et le fait que il gagne mandat d'arrêt derrière lui parce que la police mettait mandat derrière monsieur mais la justice mettait mandat derrière monsieur et monsieur dit son problème familial lié puis aucun monde va utiliser situation ça là pour critiquer pour dire quoi que ce soit donc problème lui gagne là son problème familial c'est lui même ensemble avec maman petite lui donc quitter le résoudre problème lui même ensemble avec maman petite lui nous invite au suivre bon. Et si j'ai mandat là, et je suis avec le commissaire, et ensuite, causer mandat, causer famille, régler en famille.
Donc il va sous passe public, m'a venu régler un projet privé. Charlie Noël, c'est famille? C'est maman petite moi. Moi font Simon Avel qui pote nom normalement Livalé qui a ri Edouard. Ce qui base avec question de abus de confiance. Bon. Causer famille à prêter en famille. Son question privée, personnelle qui pas pour avec et crime qui vient pas qui rien pour avec pénalité. Donc c'est qui pour dire avec ça au et code civil là donc la prêter en famille. Mais professeur, vous avez commencé par rester en famille encore là. Comment il commence par rester en famille parce que depuis média commence à parler de lui. Mais c'est pas média qui a résolu le problème. C'est pas média qui a résolu le problème que gagne dans famille. Média a toujours parlé, non média a toujours parlé, mais causer famille a prêté dans famille. Qui ça va là même? Comment? Qui ça va là même? Problème famille hein? Oui. Non, problème famille. Est-ce que toujours avec mon petit ça, professeur? Non, nous n'avons pas de rapport, mais nous avons un rapport de Simon. D'accord. Mais de qui nous parler, professeur? Et nous parler aujourd'hui. Le déplacement pour venir assister à la conférence de presse que nous avons organisé en solidarité avec une équipe victime de Frère Sun qui est victime d'une explosion camion 14 septembre qui s'est passé là. C'est avec un pile que serré et à Donanger. Parti politique aidé à prendre nouvelle accident qui la cause la mort puis passer 20 frères accès nous et côté sans compter si Silayo qui blessé dans ville Miracouane jour qui était 14 septembre 2024 là aider partager peine famille qui en bas gros douleur la souffrance dans moment ça parti aidé voyez gros sympathie by famille zami à tout membre qui proche victime yo et de partager chagrin yo et de bon côté tout monde qui touché dans tragédie ça c'est dans solidarité yon ak lot n'a privé véritablement bâti yon Haïti dans dimension histoire la gloire Claude Edouard mesdames messieurs qui c'est actuellement secrétaire général parti aidé monsieur qui c'est lui-même qui va le faire office, c'est lui qui va le remplacer Smith Augustin. C'est lui, l'heureux élu, et lui-même Claude Joseph choisi pour venir remplacer Smith Augustin, mais monsieur chargé dossier sous tête et tout. Et go causé. Peut-être dans l'émission Pita, dans live Pita, nous avons pour nous décortiquer pour vous. Pour nous venir parler plus en long et en large, mesdames, messieurs, de dossier ça. Bon, nous sommes là, mesdames, messieurs, nous sommes ensemble avec nous. Nous prenons plaisir de présenter l'émission ça comme de manière coutumière. Nous toujours prenons plaisir pour nous faire ce dialogue, nous toujours prenons plaisir pour nous parler parce qu'on connaît déjà, entre moi-même ensemble avec vous, son l'amour, nous ne pas quitter l'autre, entre moi-même ensemble avec vous. Nous avons un lien qui tisse, et depuis l'un tisse lien ça, depuis plus passé 3 ans tisse lien ça, nous ne disons pas un lien. Qu'a fait nous lâcher le lien et ben nous toujours là certainement n'a frappé et on était content ensemble avec on était content présenter émission ça prochain rendez-vous avec Haïti réflexion et Ezra Fizemé c'est un peu plus tard 4h30 pas oublier ou pas rater live là parce que dans live là c'est là nous distrait nous et là nous bail tout petit causer nous tout teaser nous hein et là nous fait petite interaction nous tout et là nous parler donc rendez-vous plus tard mesdames messieurs 4h30 merci à vous même qui t'es like merci à vous même qui t'es commenté merci à vous même qui t'es partagé et merci parce que vous allez continuer à partager encore pour capable permettre à ce que vidéo ça les même li aller plus loin bye bye tout le monde on continue garder positivité nous n'a croiser pita 4h30 boule nous chapper.